Allez, on lance l'enregistrement. Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit GLG part en live du mercredi. Certains l'auront vu sur GLG Review, la semaine est extrêmement chargée. Et ça, c'est, je vous ai fait une liste des choses éventuellement à aborder. Ça, c'est les reviews qui sont déjà planifiées. Et ça, c'est les reviews à venir pour vous donner une idée de comment c'est chargé. On pourra également parler éventuellement, si ça vous intéresse, de la nouvelle montre Cilia Design que j'ai reçue en forme de globe terrestre et tout, un projet Indiegogo de dingue. J'ai le Nubia Red Magic, j'ai fini aujourd'hui les petits micros Synco P1T avec petit modificateur de voix intégré et tout, voilà. On peut parler de tout ça, voilà. Et comme je l'ai mis dans le titre, quand on n'a pas d'idée, est-ce qu'on fait une fac? Un peu comme les youtubeurs. Je suis youtubeur de base. Ça veut dire que quand j'ai pas d'idée, que j'ai pas de sujet, mais qu'il faut quand même que je fasse une vidéo, eh ben, je fais une fac. Voilà. Bon, après, à nous, au JT Geek, certains ont compris la blague, c'est qu'on faisait des facs bien avant qu'on ait rien à dire. mais voilà, bien avant qu'on ait rien à dire. Mais là, bon, le fait que je savais pas trop quoi mettre, j'avais eu plein de flashs de génie dans la semaine pour vous faire des sujets. Oh, incroyable et improbable, et puis j'ai oublié, faut que je les note, faut absolument que je note, parce qu'après, et là c'est arrivé, bah là, lundi, mardi, c'est en vue, il y a une vidéo aujourd'hui, demain il y en a pas, mais il y a eu la vidéo vendredi, puis il y a encore une vidéo dimanche, puis après il y aura une vidéo mardi, enfin voilà, déjà tout ça c'est planifié pour la semaine, et certainement le mois de mars, donc je me suis dit, oh là, on va pas se prendre la tête à essayer de trouver un sujet racoleur, est-ce qu'on pourrait pas faire un sujet, quand t'as pas de sujet, tu fais une fac, et donc du coup, et pour le coup, c'est vous qui ferez un peu le live. Et plus il y aura de sujets, bah c'est vous qui déciderez un petit peu des sujets que vous voulez évoquer. Et puis, bah voilà, vous me posez vos questions, vos remarques, vos suggestions. Moi, j'interagis avec vous et tout va bien. Alors, je comprends pas pourquoi il y a toujours marqué 1, alors que j'ai déjà eu 4 commentaires. Donc, à mon avis, vous êtes beaucoup plus que ça. Donc, encore une fois, on redit bonjour à Erod. C'est la première fois sur le chat. On a fait une petite pointe d'abonnés, on est à 311. On était à 308 dimanche, je crois. 307, 308 dimanche. Donc là, 311. C'est-à-dire qu'on a fait une petite poussée d'acné, d'abonnés. Non, mais on faisait la remarque la dernière fois. Est-ce que je mets le live sur GLG Vidéo? Et le fait de meubler un peu avec GLG Vidéo en disant « ça se passe sur Twitch », je pense que beaucoup se sont dit « quand même, on va y aller et on va au moins le follower » puisque ça permet de passer un moment entre nous. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un moment qui est encore, je trouve, relativement confidentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de monde, parce que là, pour l'instant, Twitch me dit on est 1, et 1, c'est bien. Pourquoi il est toujours à 1, ce bourricot, là? Je peux voir, attends, et si je rafraîchis comme ça, le truc, là? Est-ce que ça va toujours mettre 1, ou ça mettra plein? Là, tenez bon, ok, nanana, 1 en moyenne. D'accord, donc ça marche bien, leur truc. Donc tout va bien, ça marche bien, voilà. Donc bonjour à Sébastien également, bonjour à Domi, bonjour à Cyril, bonjour à Fred, bonjour à Bertrand, bonjour à Zappi. Zappi, Zappi, ah voilà, 10, il y a eu une petite mise à jour de Twitch. D'un coup, c'est putain, mais c'est bon la blague, ça va, on a compris. 1, c'est bien, mais 2, c'est mieux, et 3, on verra. Bon, je regarde parce que j'ai plein de modifications, plein de trucs, voilà. C'est Greg, voilà. Moi, je vois 10. Ouais, moi aussi. Bah, moi aussi, je vois 10. Non, mais sur mon Twitch à moi, il y avait bien marqué 1 encore. Mais je sais pas ce qu'il a. Il faut que je redémarre. Je pense qu'il va falloir que je redémarre. Il est un peu à la Hamas, là. À la Hamas. Oui. C'est du sud. À cause de... Faites-le 1. Faites-le 1. Des seigneurs des annales. Mais Shadow n'est pas là, en effet. Notre modérateur, alors je n'ai aucune idée comment mettre point d'exclamation. Il y avait plein de points d'exclamation, je crois que c'est JT Geek. Fais voir si on fait comme ça, s'il se passe quelque chose. N'hésite pas à passer sur le blog. Ouais, c'est ça. Il y a des trucs comme ça. Je crois qu'il y a tant, peut-être il y a Tipeee aussi. Fais voir. Celui-là, mais en 4G. Je suis là, ok, il est là, tout va bien. Oui, j'ai cherché les commandes. Un petit Tipeee façon Rocky, c'est ça. Et chercher les commandes, savoir comment ça marchait. Je découvre mon propre chat de moi-même, voilà. Alors, il dort, il ne dort pas, il est en 4G. C'est pour faire un Tintin. Ah, un Tintin, allez bien.
Et Rintintin. Rintintin, c'était mieux. Ça faisait plus, tu vois. Parce que un Tintin, bon, ceux qui n'ont pas connu la chance aux chansons, n'ont pas connu. Mais Rintintin, R1 et Tintin, là, peut-être, nos amis des bêtes ont peut-être plus revenu au créneau. Sub, ah il y en a plein. Alors, il y a Tipeee. Ouais, il manque peut-être un. Il manque un. Un Tipeee, t'as mis que deux. Hein. D'accord. Moi, c'était le mien. Ok, Tipeee et petit sub. Là, je suis en 5G. Ouh, la classe. Moi, je suis en Wi-Fi. Je suis à la maison en même temps. Voilà. Donc, pour ce petit live où on est 10. À mon avis, on est plus que ça. Et plus que ça, voilà. Donc on peut pas. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est libre antenne aujourd'hui. Quel sujet vous voulez aborder? Pas de politique, évidemment. Pas de politique, pas de religion, pas de cul. pour être sûr de pas avoir de problème. Mais voilà. Si ça vous intéresse, je parlerai aujourd'hui de la montre Siga Design. C'est un projet Indiegogo. Alors, certains ont compris. J'ai reçu un commentaire à l'info en disant « Ouais, t'annonces que plein de trucs, en fait, ça vient pas. » Alors, malheureusement, moi, on m'écrit, on me dit « On va t'envoyer ça. » Je vous dis « On va m'envoyer ça. » Après, on me l'envoie. C'est bien, on me l'envoie pas. Tant pis. Hein, c'est la vie. Ou alors, on me dit qu'on me l'envoie au mois de décembre et je le reçois au mois de février. Bah, c'est la vie aussi. Je veux dire, je n'attendais plus. Je pensais que la meuf allait disparaître. Pareil, la meuf de Novou, là, qui avait le 12 en 1, je lui ai fait un mail. Pas de nouvelles. J'ai vu que Amazing Mac avait fait la review, donc lui il a dû bien. Et voilà. Et là elle m'a écrit cette semaine en me disant, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Coco, on y va. Et cette montre Siga Design, qui est une montre qui a gagné plein de prix. Elle a gagné le prix IFA machin. Elle est sur un projet Indiegogo, Design Mechanic Watch U Series Blue Planet. Enfin bon, c'est un sacré. Et puis regarde, je vais voir un peu le livre. Regarde, t'ouvres le livre comme ça. Donc là, t'as la planète. Là, bon, comme quoi on est foutu. Hein, t'as un petit résumé comme quoi. Bon, voilà, de toute façon, ça y est. Hein, on a dépassé la date. Tout est périmé, quoi. Là, un petit truc d'artiste. Bon, là, il y avait la montre et tout. Je ferai voir ça tout à l'heure. Là, donc là, il y avait toute l'épaisseur de la montre. Et puis là, il explique le système mécanique. Que le tour extérieur, c'est les heures. Les tours du milieu. C'est les minutes, donc ça tourne un peu comme une montre Seven Friday. Donc là, c'est comment assembler la montre et tout. Puis après, bah, t'as une carte de garantie et tout. Enfin, un très bel objet. Au-delà, alors je sais pas, j'ai regardé. Alors en fait, comme elle n'est pas encore disponible, la montre, ni sur nulle part. Voilà. Moi, le lien qu'ils m'ont envoyé, Siga Design, elle n'est pas disponible. Je sais pas combien elle va valoir leur plaisanterie là. Mais voilà. Et ça, en fait, ça reprend le calendrier de la montre. Donc en fait, sur la couronne extérieure, on a les heures. Donc bon, un peu comme là, on reprend, vous voyez, de 1 à 12. Donc là, celle-là, elle est fixe. Donc par exemple, bon, c'est facile de voir que si on est là, c'est vers 10h, là, c'est 9h. Là, t'as pas besoin de regarder des chiffres. Mais c'est la couronne intérieure, elle tourne. Et du coup, les minutes, elles s'ajustent. Toi, comme c'est 10h10. Et après, quand c'est 10h11, en fait, la couronne du milieu, elle tourne. Et le globe, il tourne pour indiquer les heures. C'est ouf comme système mécanique, puisque bon, j'ai quelques montres déjà. Sans vouloir me la péter. Mais des montres comme ça. Tu n'en as jamais. Attends, comme ça. Je sais pas si on va voir. T'as le reflet là, bravo. Je vais éteindre ça. Pour que tu puisses bien voir. Attends. Tu vois? Et le globe tourne. Et là, on est bien. On est bien à 10h. On y voit qu'il y a de... 10. 11, ah non, 5, on est entre 5 et 10, donc ça doit être vers 8. Ah, c'est ça, ouais, il est 22h09, c'est ça. C'est un peu compliqué à prendre en main, avec un système mécanique de dingo et tout, enfin, très très belle boîtier en titane et tout, enfin bon, vous voyez un peu le genre de montre, elle est incroyable. J'ai mis pas mal de photos sur Instagram, hein, si y en a qui veulent aller voir, j'ai mis surtout en story, mais voilà, c'est juste une montre incroyable. Alors je rappelle, Siga Design, à la base, ils fabriquaient les montres automatiques pour Xiaomi. Puis après, on s'est vite rendu compte, en fait, c'était Xiaomi qui avait investi dans une marque qui n'était pas trop connue. Et après, bah, Siga Design a complètement de sa propre vie de lui tout seul. Je suis même pas sûr qu'il soit encore affilié à Xiaomi, mais c'est un peu toi comme Char. Shark au début, c'est oui, un peu Xiaomi, puis après ils sont complètement partis de leur côté, puis après bah, en fait ça marchait pas, donc ils sont revenus vers Xiaomi pour essayer d'avoir un peu plus de puissance de frappe, parce que le dernier qu'on avait eu, je crois, c'était pas terrible, terrible. Voilà. Je reviens une fois rentré d'ici 15-20 minutes. Ouh, on sait pas si on sera encore là, hein. Je sais pas si on va t'attendre, hein. Il y en a bien ou deux qui doivent réfléchir.
C'est la vie. Pam pam. Envie de pipi. Ok, c'est beau, papa. Salut Greg. Bonjour Cool Fab. Bonjour Cool Fab. Oui, c'est vrai que cette montre, elle est assez étonnante. Alors au début, dans le principe, je trouvais ça un peu chelou, mais je sais pas si vous voyez, mais le globe, regardez, le globe, il est bien en 3D. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une demi-sphère qui est dedans. Et je sais pas si vous l'avez vu, on l'a vu tourner un petit peu. On le voit tourner un petit peu et tout. C'est assez déroutant, mais en même temps, comme les montres Seven Friday, ça a toujours été des mécaniques. Je crois que c'est du Miyota, ou je sais plus ce que c'était qu'il y avait dedans. Mais ils ont toujours eu un système un peu particulier pour lire l'heure. Et là, je pense qu'ils s'en sont fortement inspirés. Mais je trouve ça étonnant. Avec le globe et tout. Alors après, elle a gagné plein de montres. En plus, c'est une vidéo rémunérée. Parce qu'il m'avait écrit en me disant, ah, vous voulez la tester, la montre et tout. Tu sais, au début, je regarde, je vous ai pas une fois, non, mais on a une nouvelle montre Siga. Et c'est vrai que Siga Design, ils ont des montres squelettes qui me plaisaient beaucoup, pas assez, tu vois. Et ils me voulaient pas tester notre nouvelle montre, je dis, bah, faites voir le design. Puis on va m'envoyer le design, j'ai envoyé les prix. J'ai dit, bon, ouais, si vous voulez payer, elle me dit, oui, mais la montre, elle vaut de l'argent et tout, elle est en titane et tout. J'ai envie de dire, ouais, mais elle est moche. Oui, peut-être, mais elle est moche. Donc, j'ai dit, voilà, c'est temps ou rien. Et puis tu comptes faire, voilà, ils m'ont envoyé la montre et ils m'ont payé, parce que sinon, je peux dire qu'elle est importable, mais elle est quand même très. Vous avez vu, elle est très, très étonnante au niveau du concept et tout. Ça plaira pas. Je pense que beaucoup vont aller comme un putois en disant, bah, l'heure, c'est assez compliqué de lire et tout. C'est une montre concept, tu vois, une concept art, à mon avis, elle est signée au dos par Jason, je sais pas quoi, là, ou Jonathan Hart. Est-ce qu'il y en a qui vont trouver la référence de Jonathan Hart? Rocky est dans la place. Cool Fab, merci à Cool Fab pour ce petit Tipeee. Je rappelle, vous pouvez faire un Tipeee, ça a dû s'afficher en haut, je crois. Oui, il y a le lien. Un petit Tipeee façon Rocky. Je ne sais plus par qui elle est designée, cette montre. Pas Jonathan Hart, c'est sûr. Jonathan Hart, oh, Jennifer Hart, oh, les justiciers de la... Voilà, c'est pour une petite partie chanson. T'aimes bien les Seven, ou je me trompe? Seven Friday, Seven Street, Seven Eleven, oh oui, c'est vrai. Seven Friday, oui, j'ai une montre, enfin une montre que j'avais achetée en Chine, donc fausse, mais avec du vrai dedans, un vrai boîtier et tout, mais voilà. Seven Street, bravo. Et Seven Eleven, j'aime bien aller aussi au 7e ciel. Allez, trouvons vous aussi, enfin trouvons, ah, trouvez vous aussi des mots, des expressions avec Seven dedans, ou 7. Voilà. Les 7 nains. Rien à voir. J'aime bien Blanche-Neige. Tain, en parlant de Blanche-Neige, ce truc n'a rien à voir. Non, parce qu'en parlant, elle est bonne Blanche-Neige. Non, pas du tout. Oh, merci à Azertech de me suivre aujourd'hui. Bienvenue, en la familia. Voilà, en parlant de elle est bonne. Je suis en train de regarder, mon beau-père m'a donné une clé pour regarder Amazon Prime. Il me dit, ah, mais j'ai un abonnement avec plein d'Amazon Prime, ça dirait d'avoir une clé et tout. J'ai dit, écoute, si tu veux, je mets sur la télé Samsung me donne un code. J'ai dit, écoute, tu vas sur l'application, tu mets le code et ça se mettra sur ma télé. Il me dit, il m'a envoyé ses logins, fais-toi. Donc je me suis connecté sur son compte et tout. J'ai mis le code que m'a donné ma télé Samsung et donc maintenant j'ai Amazon Prime en plus d'avoir Netflix. Donc j'ai commencé hier Jack Reacher. Voilà, parce que j'avais déjà une fois, mais le format était tout bidon et voilà, ça m'avait un peu gâché mon plaisir. Et j'ai commencé à regarder le Jack Reacher. Waouh, la flic, la bonne. Oh la flic, la blonde. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Voilà, plutôt comme ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est canon. Qu'est-ce que c'est mon style de petite blondasse. On dirait une de mes ex quand j'étais jeune. Oh, qu'est-ce que. Et pour ceux, je voudrais pas vous spoiler, mais voilà, on lui voit un peu des tétons au bout d'un moment. Hein, on la voit nude. Ah, elle coquine un peu, elle, hein, quand même, dedans le truc. Mais voilà, avec Jack Reacher, j'ai regardé ça. Et qu'est-ce qu'elle est canon. Oh, à chaque fois que je la regarde, je dis, oh là là, je suis amoureux, c'est tout. Pas de Jack Reacher. Quoique, c'est un beau mec aussi, quand même, hein, bien baraqué et tout, voilà. Mais elle est mieux, quand même. De mémoire. Les justiciers mènent la vie du roux gangster. C'est ça. Ah, mais Fred, il suit, hein. L'amour du risque, lol. Pas mal, Fred y suit, Fred il est là, Fred il est dans la place, je veux dire, heureusement que Fred est là. Salut à tous, bonjour à Jeff également, première fois sur le chat de Azertech,
Ça ressemble un peu à Azerty et Tech. Ouais, pas mal, c'est pas mal. Bonjour à toi. No Frodo dans Tech, ça c'est bon. Voilà. Jean-Sébastien, avec ta sol. Avec ma sol, avec ma doll. Avec ma sol. C'est qui ma sol? Sol dans... Tu parles de sol dans Raised by the Wolf? Grosse culture... mes séries télé. Oh, putain, je vous dis pas, avec maintenant, avec Amazon Prime, je suis cramé là. Alors avant, c'est vrai que bon, bah, j'avais tendance. Il y a le Seigneur des Anneaux et tout en plus là. Sur, je suis content d'avoir Amazon Prime parce que je regarde pas tout. Mais du coup, j'ai même pas regardé Snowpiercer cette semaine. J'ai préféré me mettre sur Jack Reacher. C'est pas mal, Jack Reacher. J'ai bien. Moi, j'ai bien accroché. Voilà, j'ai bien accroché. Et puis la blonde. Ah ouais, canon. Hein. Ah, puis à un moment, là, sous la douche et tout là. Oh, ça m'a émoustillé. Oui, ça m'émoustille. Ouais, t'as raison. The Seven Stuff. Ok. T'aimes bien les 5 à 7. 7 à 8 aussi. Et 7 sur 7. Non, c'est moins bien. Je préfère la fille aussi. Je suis là, papa. Ok, donc bon voilà, non mais c'est vrai, non mais allez, et en fait, alors apparemment, alors ce qui est bien avec Amazon Prime pour ceux qui l'ont, c'est quand tu mets pause, en fait, t'as les acteurs en bas avec leur nom. Je veux dire, il m'a plus que son line à Cocotte là, et en fait, elle s'appelle, attends, je sais pas si je vais vous la retrouver parce que j'ai fait une petite recherche Wikipédia, mais bon, elle s'appelle Willa Fitzgerald, et apparemment, elle jouait dans Scream aussi. Tu vois, quand on met dans la biographie. Alors, elle est née le 17 janvier 1991, donc elle a 31 ans, à Nashville. C'est une actrice américaine. Elle est notamment connue pour son rôle d'Emma Duval dans la série télévisée Scream, adaptée de la franchise cinématographique. Ah, ils ont fait une série télé, apparemment, Scream. Ah ouais. C'est dans le film, ça ne me disait rien. Mais elle a fait, ils ont fait une série télé, voilà. Et voilà, donc, si tu tapes Willa Fitzgerald, voilà, on la voit tout en beauté. Voilà. Oh, petit modèle comme ça, là. Bon. Petite blonde comme ça, petit gabarit, ouh, voilà, moi, il m'en faudrait pas plus. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Non, non, mais bon, après, voilà, on peut regarder les séries télé, puis dire, quand même. Après, bon, bah, lui, voilà, comment c'est torse nu, pique un peu. 1m98, le gars, comme mon gamin, presque, bientôt. 1m98, quand tu vois le morceau de viande que c'est, tu te dis, bah, putain, parce que les grands, c'est pas facile, hein, pour être baraque, quand même, hein. Il faut vraiment que les mecs, ils y aillent fort. Mais sacré bien, puis un peu intelligent, puis elle aussi, elle... un beau QI, elle aussi, elle a un 130 de QI, voilà, femme d'action, je sais pas combien d'épisodes j'en suis, mais ouf, voilà, j'ai passé l'épisode de la douche, si ça vous intéresse, non, parce qu'il y a eu le petit moment, tu sais, sur le lit, comme ça, l'autre dormait met par terre, tu sais, en mode, tu sais, position du fœtus, petite culotte et tout, non, je tue, ah, mais là, voilà, après, il y a l'épisode de la douche, où là... Il n'y a plus aucune objection. Plus aucun doute. Plus aucun doute. On a vu le bas avec la culotte et le haut, rien du tout. Voilà. Dolls. 5 à 7 avec ta Dolls. Avec ma Dolls. Écoute, j'ai pas de réponse de Miss Dolls, mais je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas puisque on le voit avec beaucoup, beaucoup de marques. C'est ils viennent. Ouais, vous voulez pas bosser gratos. Alors, je vous rappelle, les seuls où on a bossé gratos, c'est le Black Shark 4 Pro. Parce que, bon, comme je vous dis, il a 8 mois. Il y a pas mal de reviews sur Internet. Que je ne. J'ai même pas regardé, tellement que je, ça ne m'attirait pas. Mais en version, voilà, en version globale, c'était quand même assez intéressant. Parce qu'on sait que la version chinoise, c'est pas la même. Et le Nubia Red Magic 7. Et le gros intérêt de cette Nubia Red Magic 7. Que la version globale n'est pas exactement la même que la version chinoise. Version chinoise de base c'est 120 watts et 135 watts dans la version pro. Nous la version de base c'est 65 watts. Alors est-ce qu'ils ont un peu plus peur de faire cramer les téléphones en Europe? Est-ce qu'ils n'ont pas trop sûr de leur coût? Et ils se disent, on va mettre 65 watts, ça suffira très très bien, parce que c'est en 220 volts, et que, en théorie, ça pose aucun problème, ça convertit l'alternatif en continu, et après, ça reste des watts continus, quoi. Du 120 watts, du comme le Black Shark, là, 6 ampères fois 20 volts,
6 ampères dans un câble comme ça, là. 6 ampères fois 20 volts, je pense que ça doit être pareil chez eux. Je comprends pas, ils ont baissé en 65 watts. Enfin bon, et c'est là un peu la seule différence qu'on a vue. Donc, c'est ça que c'était intéressant. C'est les deux seuls. Après, tous les réseaux, je dis, vous payez ou rien. Et souvent, bah, c'est ouais, pas de budget, nanana. Et après, bah, ils vont vivre leur vie. Soit ils tombent sur des youtubeurs qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Et les mecs, bah les prix, voilà quoi. Les prix tout de suite, c'est en fonction des abonnés. Mais non, bah déjà, ils n'avaient pas d'argent pour moi, mais alors pour eux, ils disent, ouais, alors, ah oui, il y a beaucoup plus d'abonnés, mais il n'y a pas souvent beaucoup, beaucoup plus de vues non plus. Hein, par rapport à des mecs qui facturent 3, 4, voire 5 fois plus que moi, ils font pas 3, 4, voire 5 fois plus de vues. Parce qu'on fait environ 10, 15 000 en ce moment, tu vois, par vidéo, sauf celle où il y a les miracles, il y a 20, 30, 40, mais bon, là, en moyenne, c'est 10, 15 000. Mais voilà, les mecs font pas 45, 50, 100 000. Ceux qui font 45, 50, 100 000, c'est qu'ils ont 1 million d'abonnés, et là, c'est 10 000 balles. 10 000 balles la vidéo. Alors, on est même plus dans les stratosphères, c'est que le ratio est pas bon. Donc, souvent, ils cherchent un peu. Après, ceux qui seraient d'accord pour pas les facturer, ben, soit ils ont déjà travaillé avec eux, ils se sont fait plomber, et puis voilà. Soit ils font vraiment pas assez de vues, et puis je fais, les mecs, ils font 500, 1000 vues. Voilà, donc et pour eux c'est pas assez, donc il, après au bout d'un moment, bah, là, au dernier moment, toujours pareil, il m'envoie R2D2 à la maison, là, R2D2 lance son projecteur comme ça contre le mur, et une jeune demoiselle cerise qui apparaît, qui comme ça, puis elle me regarde, elle fait « GLG, vous êtes notre dernier espoir !» Référence... Ouais, mais faut avoir un peu des références, sinon on va pas y arriver. Voilà. Et elle me dit, vous êtes au dernier espoir. Voilà. Donc après, elle me dit, bah ouais, espoir, tu payes, tu me l'envoies, et ils envoient et ils payent. Voilà. Donc tout va bien. Alors, avec ta soif, t'as dû adopter un poisson. Avec ta soif, t'as dû. Non, mais c'est parce que je parle beaucoup, Jeff. Déjà, un, je parle beaucoup. Beaucoup trop. Beaucoup trop tout seul, mais voilà, il faut que je m'hydrate pour mes reins. Le docteur, là, les reins, ça va mieux. Aux dernières analyses, c'était bien, un peu élevé. Il m'a dit, mais ça va, c'est pas dramatique. Mais il faut que je boive beaucoup d'eau. Il fait chaud, puis il est quand même 22h22 dans mon pays. Alors, on n'est plus 22h22, mais il est quand même 22h22, tout bien. Bonjour à Jaune 9, au 7e ciel. 7e ciel, je l'ai fait hein, déjà. Il me semble avoir sorti, c'est une répétition. Pour toi, Greg, quel est le meilleur robot aspirateur de nettoyage pas trop cher? Alors, en aspiration, écoute, en aspiration, je suis encore... Le seul que j'ai gardé, moi, par exemple, dans l'aspiration, c'est le 360, parce que je l'ai eu un petit moment, et il marche vraiment bien, et il lave, ça va. Après, dans les derniers, tu vois, si j'avais dû en garder un dans les derniers, je regardais le Midea S8 Plus. C'est le dernier que j'ai testé, je trouve qu'en aspiration, il était bien. Il avait un LDS, il n'avait pas un LIDAR, mais on verra que dans la vidéo, il esquivait bien les murs, il touchait rien, ça c'était pas mal. Et le fait d'avoir les mopettes qui vibrent comme ça, c'était vraiment le petit plus nettoyage qui, moi, me plaisait bien. Donc pour moi, ce serait le Midea S8 Plus. Puis au niveau du tarif, il était, je trouve qu'il était très très bien placé en plus, voilà, entre nous. Entre nous, celle qui joue dans Lock and Key. Elle est pas mal non plus. J'ai pas encore regardé Lock and Key, ça me dit bien, mais voilà. Après, je me suis fait, comment dire... Inventing Anna tout le week-end dernier, puisque le dernier épisode, c'était quand même 1h30, hein, je me suis régalé avec Inventing Anna, vraiment, la série, j'étais comme un dingue, vraiment, petit rebondissement, truc, puis apparemment, dans la vraie vie, elle est en train de faire un film sur sa vie, et là, on aura certainement plus de détails et tout, trop bien, trop, trop bien. Et là, je suis très Jack Reacher, là, en ce moment, ça me plaît bien, c'est pas trop con-con, je m'attendais à ce que ça soit un peu, mais c'est Meresh qui a fait une critique. Pareil, je m'attendais à un truc un peu belé comme ça, mais non, il y a de la philosophie, il y a de la blonde déjà. Ah, la blonde, mon Dieu. Mais voilà, je trouve tout plutôt bien, voilà. Et donc, je manquille ça régulièrement. Pas la blonde, mais au moins les épisodes de Jack Reacher. La méchante, lol. Ah non, Shadow, notre modérateur, alors. Un petit une recherche sur Willa Schaffert. Je dis oui, madame, enchanté. Ah, mais regardez, si t'as l'occasion de regarder Jack Reacher, elle est dedans. En plus, je crois qu'il n'y a pas marqué sa taille, mais elle doit pas être si petite que ça, parce que si lui, il fait déjà 1m98, c'est-à-dire elle fait pas 1m60, parce qu'il y aurait vraiment trop une grosse différence. Toi, elle est pas trop petite non plus. Ou alors, ils l'ont mis sur un escabeau pour les scènes un peu... coquine, mais ouais, bien, et puis au bout, là, une fois que tu l'auras vu sous la douche, tu diras, ouais, ah ouais, c'est ma taille.
Moi, je rentre. Enfin, bon, après, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Mais voilà. Tu dis oui, tu dis oui aussi. Écoute, on demandera si les deux, pour prendre la réserve, les deux d'un coup. Le dernier, Redmi Eva. C'est le top. Si tu as le budget, 700€, je crois que. Merci et bonjour à Soif. Bonjour et bienvenue pour nous rejoindre aujourd'hui. Alors, Redmi, il y avait le Redmi Eva, puis il y avait le Dreamy aussi. Il y a un Dreamy qu'on a fait un comme ça, mais on n'a pas de Dreamy. Elle m'écrit plus, elle me répond plus, elle m'écrit plus. Alors, j'ai vu que Nico du Grand S, il avait eu le dernier Redmi. Je pense qu'ils ont changé de Redmi, Dreamy. Ils ont changé de Dreamy, ont changé de Redmi. Voilà. Je pense qu'ils ont complètement changé de Redmi ou de marketing ou alors elle a changé de boulot et tout. Mais après, moi, j'ai plein. Elle m'a payé plein d'articles d'avance parce qu'on a un pack avec 10 articles pour GTI. Et voilà, si elle m'écrit plus, c'est son pognon. Quoi. Elle reviendra peut-être un jour. Mais voilà, elle m'envoie plus de produits, plus rien. La fois, je lui ai demandé si elle me l'envoyait, elle a même pas répondu et tout. Donc je dis bon, ben voilà. Après. Ça s'en va et ça revient. Non, mais après, voilà. On sait que les relations, là, on est bien avec ProSonic. Certains ont vu sur mon Instagram, j'ai reçu le nouveau robot aspirateur Xiaomi, mais dans la version globale, encore une fois, parce que, encore une fois, c'est les produits qui existent en version chinoise. Et nous, ils nous font attendre pour avoir les versions globales et tout, ce qui est bien aussi. Donc là, il y aura au moins le ProSonic fin de semaine, un aspirateur à main dimanche. Et le Dreamy, et l'aspirateur Xiaomi, il est prévu pour le 7. Je fais tomber mon cahier avec mes notes, mes antisèches. Il est prévu pour le 7 mars. Voilà. Oh, putain, genre quand je. S'il y en a qui me posent la question, je vous donnerai un peu mon planning des reviews qui vont arriver et les produits que soit j'attends ou que j'attends les paiements, mais. Tous. Ah, maintenant, les meufs, mais rien. Dans le cas de Kaisa et de. Et de One Audio, là. Des casques en voiture, voilà, t'en auras. C'est sûr que c'est pas donné. C'est sûr que c'est pas donné. Voilà. Ta sol, bah oui, c'est bien ce qu'il me semblait, mais c'est quoi ma sol? Ta sol, c'est quoi SO2L? Je sais pas ce que c'est, j'aurais été venu là-dessus, mais je pensais que tu avais dit peut-être ta dol, c'était de tromper. C'est que tu vas, ouais, c'est le correcteur orthographique, ça veut dire quoi sol en anglais? Il y a un truc, ta sol, solitude, sol, fais-moi, peut-être j'ai loupé un mot en anglais. S'il y en a un qui comprend sa blague, qui me l'explique, parce que allemand, non, pas du tout. Pas du tout. Je sais pas, j'ai pas compris ta blague, je suis désolé. Assoif, c'est abonné avec Prime. Merci beaucoup, Assoif, pour ce petit abonnement. J'ai complètement. Ah, j'arrive pas. Entre les followers et trucs. En plus, c'est marqué c'est réabonné avec Prime pendant 2 mois. C'est marqué en gros, en plus en bas. Voilà. Bah, merci beaucoup, Assoif, pour ton petit abonnement Prime. Et merci à CoolFab pour le petit Tipeee. Fred, j'ai regardé Reacher en entier. C'est pas trop mal. Difficile de tenir la comparaison avec Tom Cruise. Oui, bon, bah, le petit nain, là, ouais. C'est un peu pareil, c'est comme... Bah, je crois que c'est Merel encore qui parlait de... Il y a le nouveau truc, là, avec le nouveau film qui est sorti, où ils ont mis le mec de Spider-Man, où ça va pas, l'acteur. Non, lui, il est bien. Il a des bonnes scènes de baston, quand même. Hein, à un moment, contre le Mexicain, là, avant qu'il le mette dans le coffre, là. Il y a des bonnes petites scènes de baston. J'ai bien kiffé. Tu disais quoi à propos du Red Magic 7, avant? Je disais que la version européenne est pas exactement la même que la version chinoise. Au niveau de la charge, la version chinoise a 120 et 135 watts pour la version pro, alors que nous, notre version de base n'a qu'un chargeur de 65 watts d'origine, comme ça, dans la boîte. Et ils ne peuvent pas faire plus, apparemment. Tu vois, ils ont bridé la charge. C'est le cas de le dire. Ils ont bridé pour l'Europe. Voilà. Parce que ça ne doit pas être clair, leur truc, là, de charge, super trop charge, trop rapide. Et voilà. Donc, la version globale chargera un peu moins vite. Enfin, bon, moi, le mien, il chargeait déjà à 30 watts. Ça envoyait déjà un petit peu du steak. Donc, là, 65 watts, ça fait déjà le double. C'est pas mal. Et non, je vous l'annonce officiellement, je ne passerai pas sur le Red Magic 7, puisque le gap est pas... Ah oui, un Snapdragon 8 Gen 1 au lieu du Snapdragon 888. Plus, je crois, pour le mien, en plus. Et il paraît qu'il y a des petits soucis avec le 8 Gen 1 qui, voilà, et oui, bah, il rafraîchit le taux de rafraîchissement encore meilleur, chargement meilleur et processeur meilleur. Pff, le gap est pas assez intéressant pour que je passe sur le 7. Alors, je garderai le 6 et le 7, certainement, je vais le revendre ou l'échanger contre de la drogue, un truc comme ça, tu vois, faire un truc simple. Et puis j'attendrai qu'il y ait un truc un peu plus sensationnel, parce que ça va être les mêmes caméras et tout.
Non, pas vrai, il faut tout réinstaller. C'est cher. Même si tu fais un transfert, il faut tout réinstaller et tout, machin. En plus, les Google Authenticator, faut refaire un truc. Tout. Oh, c'est relou. Je reste sur mon truc comme ça, voilà. Voilà. Le Rodmi Eva, il aspire, il lave avec une station d'aspiration, plus lavage des moquettes, qui tombe comme celui que tu avais testé une fois, mais qui n'avait pas de station de lavage. Ah, celui qui avait les mopettes qui tournaient comme ça, ouais, aussi, ouais, pourquoi pas. Il avait fait la faute de frappe tout à l'heure. Ben ouais, c'est pour ça. Donc j'ai repris. D'accord. Il voulait dire spoil. Ouais, mais enfin, et là, les mecs, entre il fallait dire, entre dol, entre imaginer, entre savoir est-ce qu'il a dit plutôt spoil ou dol, moi j'étais préféré qu'il dise dol. Par exemple. La sol. Un jour martien. Je sais pas si c'est vrai, c'est une blague, mais non. Objection, votre honneur. Et femme ma blague de merde entre sol et la sol de poisson. Ça c'est drôle. Ça voilà. Ça c'est drôle. Ça c'est bien. Ça a un niveau très très bas. Pipi caca. Ça j'aime bien. Ça je rigole. Je valide. Non, c'est un sol. Comme ça. Non, c'est un mi. Non, mi. Non, là, c'est sol. Voilà, c'est plutôt comme ça. A retenu un message. Bride l'Europe. C'est un gond pour les Asiatiques. Ok, je sors. Non, elle était bien. Tu pouvais la valider. Excellent, le Black Shark avec 120 watts de charge, terrible la charge en 15 minutes. C'est fou, il est fou. Hein. Alors après, bon, il y a eu beaucoup de travail au niveau du montage. Hein. J'ai bien fait chez le monteur parce que j'ai dit, un, il fallait qu'il reprenne les vignettes du fabricant et ouin là, qui parlait dedans, qui ah, non, c'est d'hab. J'ai dit, mais bon, je ne prends pas la tête, ne me fais pas d'effets spéciaux et tout machin, mais essaie de la caser de temps en temps pour que ça soit un peu drôle, tu vois, pour qu'il y ait un peu de la punchline. Pour que les mecs m'écrivent le matin, j'ai juste retenu un shadow. J'ai juste retenu oh capitaine, oh pas ici, tu vois, voilà. Parce que c'était quand même relativement étonnant de oh mais je vois, tu peux emmerder. Bah, la meuf, c'est vraiment. En plus, elle a vraiment une voix de salope, quoi. C'est oh bah non, bah, pas ça alors. Et c'était vraiment. Je veux dire, ça m'a choqué, mais moi, je trouvais ça quand même assez déroutant dans le téléphone là où. Voilà. Et voilà, donc j'ai dit, faire un pas trop compliqué, parce qu'après, moi, il me facture, tu vois, la vidéo, mais il a un temps qui est quand même limité, quoi. Il peut pas me passer 3 jours à faire des machins, des trucs, mais voilà, à les incruster et tout. Et je crois que la vidéo était un peu longue, mais bon, après, le téléphone, comme je dis à la fin de la vidéo, je dis, on peut pas tout tester. J'étais convaincu que certains allaient me dire, t'as pas testé ça, fais tester un jeu, fallait faire ci. Il y avait tellement de trucs dans le téléphone qu'on pouvait pas tout tester. Il fallait que la vidéo reste homogène, et elle faisait quand même 20 minutes. Après, j'étais un peu relou sur la date de lancement, puisque la fois j'ai eu un pavé comme ça en m'expliquant que bah que c'était pas bien ce que je faisais, que je donne un prix, que j'entre mes qui cliquent, le prix il est pas bon et que ça prête en erreur et que malgré tout le respect qu'il avait parce qu'il aimait bien mon travail et tout, que voilà, en gros, j'avais l'impression d'être un enculé quoi. Alors que c'était quand même marqué dans la description à partir de. À partir d'eux, après il y avait marqué le lien. Mais les mecs lisent pas. Ils lisent pas, mais par contre, alors pour m'écrire un truc, pour me faire la morale, allez, il y a du monde là. Donc je me suis dit là, on va faire bien, on va bien insister lourdement sur le fait que la promo commence le 25. Et puis voilà, et après, bon, je pense beaucoup, on rit à la punchline, parce qu'en plus, l'autre, à un moment, il a calé arrête, ce qui était le très très bon moment pour le placer et tout. Mais voilà. Le but, c'est de faire une review qui soit un peu dynamique, quand même, où on arrive à montrer tout. Moi, je fais les reviews que j'aurais envie de voir. Surtout ça, après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais moi, je fais les reviews qu'on aurait envie de voir. J'aime bien, par exemple, les reviews de mon cousin et tout, mais on voit pas le téléphone. On sait pas comment il est fait, on sait pas où sont les boutons, on voit pas dedans. Tu sais, c'est vraiment photo, machin, on parle. Alors, il y a toujours des plans qui sont trop stylés et tout, mais voilà, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est l'appareil dans plusieurs configurations. Alors, on pourrait en vouloir encore plus, mais. Il y en a qui font beaucoup moins et qui font des vues de ouf quoi. Donc c'est soit qui est moi qui n'ai pas la formule parce que je fais les reviews que j'aurais envie de voir, donc peut-être il y en a plein qui disent c'est nul, on préfère les autres, tant mieux, faites comme ça. Mais voilà, donc il fallait faire un truc homogène, un peu drôle, arriver à caser comme ça, mettre les plans et tout, et la review était quand même plutôt pas mal. Voilà, j'étais assez content en la regardant, j'ai regardé 2 fois je crois. La review anglaise, c'est moi qui l'ai monté, donc je l'ai coupé à la hache, je l'ai faite, j'ai fait beaucoup plus vite, mais
La review en français, j'ai bien aimé le rendu final. Bon, il y a un jeu d'acteur incroyable, évidemment. Et puis une assistante fantastique. Mais voilà, c'était un peu... voilà, c'était une petite review assez intéressante et j'espère qu'elle va bien marcher parce que contrairement encore une fois à la version chinoise, il y a le service Google dedans. Alors je suis convaincu que certainement on peut aussi avoir la version chinoise avec les services Google injectés de force dedans par les Chinois ou en essayant de bricoler le truc, mais ça marche toujours moins bien. De mon expérience, je sais que ça marche moins bien, les emails en push marchent moins bien. Enfin, il y a souvent des petits bugs. Là, on a vraiment une version globale qui est très sympa, fonctionne très bien, qui est très jolie. Et voilà, et je pense que pour le Red Magic, ça sera un petit peu la même chose. L'assistante est un gros plus. Je sais pas si elle sera un gros plus, un gros pouce. Je vois ce que tu veux dire. Non, mais voilà, après, ce qui était assez étonnant, c'est qu'on pouvait la manipuler, qu'elle le dire, dans l'application de Gagné, mais voilà, après, dans le fond d'écran, elle était interactive aussi. Alors, je suis pas allé trop loin dans le dossier à regarder tout ce qu'on pouvait lui faire ou lui faire dire via le fond d'écran et tout animé, mais voilà, bon après ceux qui voudront, je comprends qu'on peut rentrer encore plus dans les détails et tout, bon, après ces 10 minutes là-dessus, l'intérêt c'est toutes les cliquer, de regarder et puis de voir que avec les yeux, c'était incroyable. ça a fait ma journée. J'ai pas accès au automode, j'ai fini, je suis désolé. Ah d'accord, ok, bah écoute, sur mobile, ah d'accord, ok, bah écoute, on t'est viré. Simplement, on va en nommer un autre. Admitted Team Bright, d'accord. J'ai rien utilisé du tout, moi. Bright l'Europe, ah d'accord, ok. Non, ça a utilisé, ah d'accord. Bright l'Europe, et... oh merci à CoolFab de s'être réabonné. Non, il faut que je suive maintenant, il faut que je m'y applique un peu. Merci à CoolFab de s'être réabonné pendant 2 mois. Merci beaucoup, mon pote. J'ai vu qu'on a fait 2-3 abonnés là depuis tout à l'heure, on est à combien? Toujours 311, d'accord. On a fait des réabonnements, des trucs. Attends. Bride de l'Europe. Oui, c'est vrai, oui, bride de l'Europe pour des Chinois. Non, mais après, allez, on a le droit de faire la blague. Genre, mon truc, mon slogan, c'est débridez-vous et découvrez tout notre SciTech ou smartphone. J'ai jamais eu de mec qui arrive là, tu sais, et de mec. Et à la fois, je sais plus que c'est rien qui est arrivé. Il m'a dit, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas regardé tes vidéos. Faut que t'arrêtes de copier Pépé Garcia, c'est totalement pareil, c'est nul, tu devrais refaire comme avant et tout. Et du coup, j'ai pas compris parce que je suis pas abonné à Pépé Garcia, je regarde pas ses vidéos, ou très, j'en ai regardé très rarement quand il y avait des casques, ça m'intéressait, mais j'en regarde pas et tout, donc je suis même pas influencé. Mais je dis, après j'ai envie de répondre, après je dis, ouais, laisse couler, mais tu sais, il y a une évolution dans le style et tout. Alors après, est-ce que, s'il y en a qui regardent Pépé Garcia, est-ce que nos styles sont devenus identiques? À savoir que moi je le regarde pas pour de vrai. Alors après, est-ce que et qu'on se connaît, enfin, on se connaît, on a déjà interchangé parce que c'est un copain à Teddy et qu'on devait faire quelque chose ensemble et tout là. Mais est-ce que indirectement mon style a évolué et que ça y ressemble et c'est le hasard, ou est-ce que c'est lui qui fait comme moi par exemple? Enfin, moi je crois qu'il a 1000 abonnés donc tout va bien, mais voilà, j'ai trouvé la remarque. Je vois, il y a des remarques que je me dis, putain, les mecs. Je sais pas, mon style, elle évolue un peu, on essaie de faire changer un peu, mais il n'y a pas eu d'inspiration. Non, mais à un moment, il me dit oui, il y a un commentaire, il me dit ouais, non, faut que t'arrêtes de faire comme lui, en plus, on voit que c'est surjoué, c'est pas du tout naturel et tout. Tu te dis, mais, tu sais, je regarde, puis je dis, mais, putain, mais, tu sais, c'est comme ça, quoi, c'est bon, j'ai fait mon style, on essaie de faire évoluer le truc et tout. Après, peut-être, c'est l'effet montage qui donne ça et tout. Enfin, il y a des fois des commentaires, je ne comprends pas, mais je réponds pas. Je veux pas de cœur d'amour, je réponds pas, et je dis, bah. Vis ta vie, mon ami, je respecte ton opinion, fais ton truc, fais comme ça, et tout ira bien. Je pense que sur un téléphone portable, il faut une batterie 5000 mAh minimum. Alors, oui et non. C'est-à-dire, en théorie, tous les nouveaux processeurs de nouvelle génération, les 8 Gen 1, sont censés être entre 20 et 30% moins énergivores. Oh, merci à Fred Le Houm. Ah, bah, je vais regarder. Merci à Fred Le Houm de s'être réabonné, et je viens de voir passer Dom Live. Viens me suivre. Voilà, il est là. Donc merci à Fred Le Houm pour son réabonnement et merci à Dom Live de me suivre. Un de plus, ça fait au moins 312. Il rend pas passé à 312 ou pas? Il est toujours à 311 le truc, le timer. Complètement défoncé le truc, faut toujours redémarrer. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Attends.
Alors oui, les nouveaux processeurs sont censés être entre 20 et 30% moins énergivores et souvent entre 20 et 30% plus performants. Donc on a un truc qui est plus performant, qui consomme moins grâce à la gravure encore plus fine, je crois qu'on est, on doit être à 4 nanomètres maintenant. Donc, quelque part, indirectement, entre un 888 ou un 888 plus qui a une batterie de 5000 mAh, quelque part, on a quand même le fait d'avoir une batterie que de 4500 mAh, ça augmente vachement le gap aussi de dire on a presque l'équivalent d'une batterie 6000 d'avant, quoi, tu vois, au niveau autonomie. Donc, on devrait avoir une meilleure autonomie avec des batteries qui sont plus faibles grâce au, tu vois, au petit up qu'on a gagné avec les batteries. Donc ça peut se valoir. Puis après, bon, leur histoire de charger à 120 watts à chaque fois, ça devient compliqué. Greg, tu l'as foutu en transition, j'étais plié de rire. Oui, bah oui, j'ai vu ça. Et puis jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et on l'a mis et tout. Donc le but, c'est de mettre un peu des... voilà. Il y a plusieurs moments, il y a le moment où tu as fait arrête voilà. Et puis il y a des moments, voilà. Ça allait vraiment bien. Ça allait vraiment bien. Et je trouvais que ça donnait vraiment une très très bonne dynamique à la vidéo. Puis voilà, le but, c'est que ça amuse tout le monde ou dire. Tu sais, à la fin, elle dit ah, va-t'en. Genre, la vidéo est finie, la meuf, elle dit va-t'en. Tu sais, c'est très insolent. Maintenant, tu dégages. Tu sais, voilà. Et voilà. Et je trouvais que ça tombait tellement bien et tout que ça donnait une dynamique à la vidéo qui était assez intéressante. Et voilà, je pense que si beaucoup ont rigolé comme ça et sont restés un peu là-dessus, mission accomplie. J'ai fait une petite revue qui est sympathique en espérant maintenant qu'elle fonctionne bien. Sauf s'il ne te faut pas. Alors, sauf s'il ne te faut que 15 minutes pour la recharger. Oui, c'est vrai. Alors, Hey, merci à Planète Shopping. Je sais pas si vous avez vu le message, mais moi en haut, j'ai eu un message qui affichait le train de la hype approche. Pourquoi vous voyez pas le truc, vous? Fais voir. Ah, c'est ça. Attends, je fais voir. Oui, vous voyez pas. Le train de la hype, 94%. Je sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est que le train de la hype, mais les abonnements, les cadeaux et l'usage des bits permettent d'atteindre le niveau suivant. D'accord. Donc apparemment, si y en a un qui est capable de m'expliquer, apparemment il y a un truc à gagner. Enfin, on passe à un niveau suivant. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. S'il y a quelqu'un qui veut m'expliquer, je veux bien. Après, alors. Oh, merci à Pob Minus Pob. Ouais, vas-y, pof, bah, alors, merci un peu, pof, pof, minus, minus comme du forum, minux, non, c'était l'autre, on va taper pof, pof la rage. Un peu, voilà. Donc oui, alors le truc c'est que oui, alors le téléphone, il faut 15 minutes pour recharger, c'est incroyable, mais tu es obligé de te traîner le chargeur et le câble. Pourquoi? Pourquoi? On a le même problème avec les Huawei. Un, il faut charger le chargeur parce que c'est un chargeur qui est capable de délivrer 20 volts fois 6 ampères. C'est exceptionnel. C'est le seul chargeur qui existe dans le commerce qui est capable de livrer ça, c'est celui du MacBook Pro 16 pouces, je crois. Je crois que même mes derniers chargeurs, ils font que 100 watts, je crois. Il n'y a même pas. Si, il y en a qui fait 125 watts, mais je ne suis pas sûr qu'il sort 20 fois 6. Hein, ça fait beaucoup. Donc, il faut le chargeur qui fasse 20 fois 6. Et le problème, c'est comme c'est du continu, il faut le câble. Et par exemple, sur Huawei, le câble, il est violet. Si tu ne mets pas le câble dedans, parce qu'ils ont mis une puce dedans, eh ben, ça ne charge pas en rapide maximum. Donc, il te faut le chargeur qui est quand même gros comme as. Et le câble, puisque le problème, si tu mets un petit câble de merde, 6 ampères en continu dans un petit câble de merde, ça va faire chauffer le câble, ça va faire brûler et tout. Enfin bon, t'imagines un peu le dossier. Donc ils sont obligés de mettre un câble qui est renforcé, tressé, machin et tout. Donc il te faut te trimballer le chargeur et le câble. Qui en poids fait un peu l'équivalent du téléphone. Donc oui, oui, mais un peu moins. Voilà, on est d'accord. Faut voir. Donc bonjour à Planète Shopping. Merci encore une fois à CoolFab de s'être abonné, ça fait plaisir. Shadow. Je suis sur tel. J'y peux rien. C'est pas de ta faute. J'irai quand même, pas d'excuses. C'est ça. Toujours trouver des excuses. Oui, mais je suis sur téléphone. Attends, aujourd'hui, avec les smartphones, on peut tout faire. On peut appeler, on peut prendre des photos. On a la radio. Je veux dire, fait des vidéos en 4K 100 FPS. Et monsieur peut pas accéder à la modération? Ça passe pas. Peut-être c'est vrai. Je regarde pas Pépé Garcia, j'aime pas.
Mais je trouve pas que tu copies. C'est pour ça. Mais c'est pour ça. En plus, t'es genre, t'es, ouais, mais tu te forces. On voit que tu surjoues. Tu surjoues. T'es, en plus, c'est pas. Pour moi, ça pique parce que tu sais, je fais ça avec plaisir. Tu sais, je fais ça avec naturel. Le mec, il arrive. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Franchement, c'est devenu. C'est nul. Tu copies. Tu surjoues. Merci. Ouais. Au contraire, c'est peut-être mieux, non? Il y a beaucoup qui me disent c'est mieux qu'avant. Il y a une évolution et tout. Voilà, laissons les faire. Après, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Shadow, l'abonnement avec Prime est pas automatique. Je crois pas. Hein. Je crois qu'à mon avis, si c'est les comptes Amazon, il faut le faire tous les mois hein, pour être sûr que tu veuilles bien le donner à moi. Je parle comme un bougnat. Il faut bien, pour être sûr que tu veux bien me le donner et par exemple que tu puisses changer d'avis et le donner à quelqu'un d'autre. J'ai vu le com, j'ai regardé les vidéos tout à l'heure, ça n'a rien à voir. C'est... Bah écoute, merci, oui, c'est pour ça que c'est pour ça je comprenais pas. Ou alors ils voulaient juste, je sais pas, faire de la pub pour Pepe Garcia pour que genre les mecs qui viennent voir les commentaires, ils aillent le voir, mais je sais pas, il a 8000 abonnés, il a beaucoup plus d'abonnés que moi. Et je suis convaincu que vous le connaissiez tous, alors que l'inverse est pas connu. Tu vois, vaut mieux aller sur Pepe Garcia en disant ah, tu copies GNG pour que les mecs viennent voir ma vidéo. Mais oui, c'est voilà. Il y en a une drôle de vie quand même. Il y en a quoi une drôle de vie hein. Non, uniquement quand tu payes. Ah, voilà, quand tu payes, c'est ça. C'est, Fred s'est abonné avec Prime. C'est son deuxième mois d'abonnement. Bravo. Félicitations. Resub de live. Bienvenue. 311 followers. Ou 313 même, depuis tout à l'heure. Première fois ce genre de spectateur de live. Allô. Allô. Oh, bonjour, salut, allô, c'est plutôt réservé au téléphone, même si, petite spécialité téléphone, peut dire, on prend tout, bienvenue. 13 viewers, 42, Plein Shopping a pris un abonnement de niveau 1, c'est beaucoup mon pote, nous sommes de Plein Shopping, ça c'est bon, subez-vous, et on explose le train de la hype, subez-vous. Je ne comprends rien. On peut se c'est sub. Ah, abonnez-vous. Subé. Voilà. Donc si vous voulez exploser le train de la hype, vous pouvez vous abonner. Voilà, par exemple. Si vous avez un compte Amazon Prime, non, il peut pas. C'est quoi le mot clé tu peux pas mettre point d'exclamation le mot clé. Au pire, je le copie, ça le met pour que si vous avez un compte Amazon Prime, il faut aller dans votre partie gaming, abonnement et vous pouvez mettre mon abonnement à une histoire comme ça. Il y a une embrouille comme ça. Attends, je peux peut-être le retrouver. Alors, attends. Je crois que je l'ai mis dans cadeau live. Ouais, regarde, trop bien. Tac, regarde, trop bien. Trop fort. Bon, après, je me jette un peu des pleurs, on est d'accord. Ouais, trop fort. Il est génial. C'est incroyable. Ça m'a un copier-coller. Je le vois, le train de la hype. Qu'est-ce que ça, quoi? Tu le vois, le train de la hype, c'est Snowpiercer. En fait, il y a eu un problème. La planète s'est refroidie. Voilà. Alors après, comme la planète s'est refroidie, ils ont fait une montre. Voilà, comme ça, avec, tu vois, regarde, avec le globe dessus, très, très, très chelou. Et après, ils ont fait le train de la hype qui tourne autour de la Terre, comme ça. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il y a deux trains. Bon, moi, je vais pas te raconter l'histoire. T'as qu'à regarder Netflix. New follower de Wizbot. Fred, tu gagnes des emojis. Tu gages des emojis. D'accord. Donc c'est vous qui gagnez des trucs. Moi rien. Pourquoi 94% j'ai rien compris. Bon après, c'est pas grave. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous abonner, tant mieux. On arrivera à faire exploser le train de la hype. Il nous reste un live. Ah non, on a fini pour ce mois-ci. Puisque mercredi prochain, on sera en mars. Donc les objectifs du mois de février sont bientôt finis. Finissent lundi, de mémoire. Dac, merci. Gagne. Off la rage. Rêve de connaisseur de rap, ça, Greg. Tu me surprends. Ah bah, qu'est-ce que tu veux, IAM, il y avait un album comme ça avec Fof la rage dedans. il avait fait un dur. Hein, ça me dit quelque chose. Voilà. C'était cette époque-là en plus, je crois. La Funky Family, c'est fini, on dirait. comment il s'appelle? Merde. La Funky Family, je t'emmerde. Comment il s'appelait? Merde. Non, j'aime bien. En fait, quand je mets maintenant Spotify en boucle et tout, il me ressort tous les vieux trucs. De mon enfance. Pour la modération, tu as accès au panel que sur PC. D'accord, ouais, on cherche des excuses. J'ai bien vu. Mais ça marche pas avec nous. Fred, t'as déjà démasqué. J'aime bien Pepe Garcia parce qu'il est super pointu, mais il donne vite mal au crâne. Il débite 500 mots à la minute.
Une vraie mitraillette. Ben, ça doit être le point commun qu'on a. C'est que bah, moi, je regarde dans les vidéos. Comme en plus, il y a le... Comme je fais plan par plan et qu'après, il y a un cut, c'est vrai que ça va assez vite. C'est peut-être pour ça qu'il a dû dire que tu as voulu faire comme Pepe Garcia et parler hyper vite. Mais bon, après, voilà, 10-15 minutes, c'est pas facile à tenir. Hein. Sub, ok. Streamlab, si tu veux sub et avoir des petits chats, tu as deux solutions. Un sub payant ou utiliser ton Prime. Oh, si tu ne l'as pas activé, rends-toi sur Gaming Amazon, active ton compte gaming et ajoute ton compte Twitch. Bravo, là, ça c'est de la modération aux petits oignons. Ça c'est de la modération aux petits oignons. Eh, petit commentaire, petit bim badaboum, petit automatique et tout, magnifique. Super bien écrit, c'est explicite, c'est trop bien. Bah, je suis très content de toi. Tu es rembauché. t'es repris. t'es passé à ça. Hein. je l'avais fait. Faflarage. Il a fait la VO de Prison Break. Et peut-être de Taxi. Qui me plaît, mais je t'ai pas fait. Fallait pas me laisser comme ça. Il me semble qu'il était dedans aussi. J'aurais pas voulu chanter parce que là je suis incapable de. Je ferais juste vous le yaourt, mais pas plus. Oui, ça m'étonne pas de Hayam car Feflav c'est le frère de Shuriken. Bah, tu vois, t'en sais plus que moi. Comme quoi, et son je t'emmerde, c'est MC Jean Gabin, c'est ça. La fois qu'il m'a mêlé, c'est bien. Tu vois que tu fais comme ça. Spotify, Amazon Music HD. Non, moi je suis sur Spotify. J'ai pas mis Amazon. En fait, j'ai pas Amazon. J'ai Amazon Prime maintenant parce que mon beau-père avait encore une clé. Il a mis ma télé dans ses comptes. Mais je suis plus. Non, je suis plus Spotify. J'ai mon petit abonnement à Spotify, bah, 10 balles par mois. Et je l'amortis confortablement parce que je l'écoute quasiment toute la journée. Très très bien. Je me suis inscrit comme vendeur sur AliExpress. Je vais commencer par des feuilles thermocollants. Alors, les feuilles thermocollants pour t-shirt. Maintenant, je fais. Je suis fait plaisir avec des images comme Dragon Ball, Saint Seiya, etc. D'accord, ok. Bah écoute, envoie-moi un petit lien. Là, tu pourras pas, tu vas te faire dégager. Mais tu as mon mail, tu me fais un mail, tu m'envoies le lien. Voilà, je regarderai si je peux mettre un. Si je peux mettre un petit lien, s'il est valable en affiliation, s'il est ouvert en affiliation, je te ferai un truc. S'il est pas ouvert en affiliation, je te ferai un truc aussi. Mais moins bien. Attention de ne pas avoir des problèmes avec les licences. Oui, c'est ça. Le problème de la facilité de mettre des logos qui sont connus et des machins comme ça, c'est qu'après, il y a les copyrights derrière et que bah, ça passe un moment et que après, quand ça te retombe sur le nez, c'est compliqué. On va dire que ça donnera. Le reste que ça donnera. Oui, je sais. Ok, ça c'est bon. Tipeee. Tipeee. Un petit Tipeee façon Rocky. Très bien. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais mettre une petite page de pub? Parce que ça fait 52. Comme ça, j'ai le temps de boire un Q. Un Q. Un Q, oui. Et où mon truc de Tipeee Kipi, oui, oui. Ouin, ouin, trop bien. Ouin, ouin. C'est où? Je vois. Non, ça, c'est film porno. Elle est où, ma page? J'ai fermé, déjà. Je vois. Là. Elle est là. Twitch. Je mets un peu de pub. Ça, je bois un coup. Là, si tu vois de la pub, bah, c'est gagné. Si tu vois pas de pub, c'est pas gagné. Alors, je sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais j'ai l'impression que les deux qui se sont abonnés, là, les deux qui m'ont suivi, sont repartis. Ça ne devait pas leur plaire. Ils ont été à 313. Après, on était remonté, on est retombé à 311. C'est-à-dire qu'on a des gens qui passent, qui font semblant de s'abonner pour avoir un petit merci, et après, ils se désabonnent. Enfin, ils me défollow. Est-ce que tu me racontes là? Oui, peut-être. C'est possible. C'est possible. C'est trois chaînes YouTube. Pas mal, pas mal, pas mal. Un petit Tipeee, YouTube, ARF. Ok, nanana. Il est où le pulco? Lol. Ah oui, pardon. Bah non, le mug, c'est pas le pulco. Ah, le verre pulco. Le verre pulco est dans la cuisine. Non, je plus trop aussi de temps en temps. Mais plutôt le mug. Le mug tous les matins. C'est pas dire que je pense à toi tous les matins. Parce que je me lève avec une énergie comme ça, tu vois, vaillante. Mais le mug tous les matins. Pub pour le mini Clubman. Et pour les jeux Warner. Merci beaucoup, Jeff. Au moins, il y en a un qui suit. Parce que personne ne me dit. Moi, je ne les vois pas les pubs. Et tous ceux qui sont prêts, normalement, ne voient pas les pubs.
Mais il y en a qui les voient. Tu parlais du sirop Pulco? Non, parce qu'il m'a envoyé des verres Pulco. Il m'a envoyé des verres Pulco et que voilà, il s'est dit, tiens, est-ce que ça serait quand même pas plus sympa pour lui rendre hommage et pour lui dire merci de boire mon eau dans des verres Pulco? Mais j'ai pas pensé. J'ai juste pas pensé. J'essaierai de m'en rappeler pour mercredi prochain, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Tiens, s'il y en a qui veulent savoir ce qu'il va y avoir comme review, puisque personne me demande, je vais vous dire quand même. Vendredi, il y a le micro sans fil USB type C Syncho P1T. Et dedans, en fait, il y a un système électronique qui permet de modifier la voix. Donc, tu as 7 modes rigolos qui permettent de modifier la voix entre très grave, très aigu et voilà, très aigu et très exigu. Ah oui! Bon, très exigu comme Chad. Ah oui, voilà, bon, vous n'avez pas... Ok, c'est bon, hein. Dimanche, le Pro Scénic P11 Smart, donc un petit aspirateur balai à main. La qualité est pas ouf, hein. Il est déjà tout parti en branle, son truc, là, j'espère qu'il va pas être cher, hein. Il est en précommande à 1€, elle n'a pas voulu me dire le prix, je dis, mais on peut pas avoir une idée. Je fais un mail, j'ai l'impression que j'aurai jamais de mail. Après, il y a le Red Magic 7. Ok, donc elle est là, encore une fois, peut-être falloir que je m'y mette un peu sérieusement, pour mardi. Après, il y a le Xiaomi 2C, donc le robot aspirateur Xiaomi. Ça, je crois que c'est pour le... pas mal de date, mais c'est pas urgent. Après, j'ai des serrures connectées. Il y en a un, il y a une espèce de petit magnète, il y a un QR code et tout, et ça ouvre la serrure et tout, machin, enfin, tout bien. Et après, j'ai des petites consoles rétro gaming EK. Ouais, qui, je sais pas, j'ai écrit comme un cochon. Des petites consoles rétro gaming, là, une qui ressemble un peu à la Game Gear, et l'autre qui ressemble un peu à une demi-Game Boy, tu vois. Sympa, sympa. Elle voulait absolument que je choisisse un truc, il n'y avait rien de bien, j'écoute, envoie-moi deux consoles, c'est pas mal. Après, pour ceux qui auront vu sur Instagram, j'ai l'enceinte Transpart, une grosse enceinte comme ça, avec les bas sur le côté et tout, très sympa. Le son est pas... ouf, mais puissant, voilà. C'est pas de qualité, encore une fois, mais c'est puissant, elle est waterproof. Pour la piscine, ça ira très très bien. Après, j'ai la montre Siga Design Indiegogo, projet IFA, avec le globe et tout dedans, voilà, quoi. Un ovni, cette montre-là. Après, j'ai Ekaïssa, qui m'a recontacté, ils font des casques gaming et tout, et là, elle m'a recontacté, elle me dit, alors, disons, 2 ou 3 casques, je crois. Elle me dit, je voulais prendre 2 reviews et tout, elle me dit, 2 ou 3 casques, je crois. Elle m'a envoyé, parce qu'elle m'a dit, ah ben, ouais, si vous voulez les intras, des machins, je suis fait tout péter, mais là, c'est pas review, tu sais, j'ai eu 2 ou 3 reviews, donc elle va me les envoyer. J'ai Oukitel qui m'a confirmé qu'ils vont m'envoyer le Oukitel WP18. Pas ouf, mais enfin, bon, voilà, c'est Oukitel, ça permet d'avoir un peu du téléphone et ils payent. Tout ça, c'est payé, donc, enfin, ça va payer. J'ai le Hub 12 en 1, j'attends la réponse de Wawa, là, concernant le Novoo, un hub 12 en 1 USB type C, et One Audio qui m'a confirmé qu'elle va m'envoyer le E900 Pro. Elle m'a tellement confirmé qu'elle m'a demandé mon adresse, elle a payé déjà, et j'ai pas encore reçu le produit. Donc là, c'est sûr, c'est validé. Donc ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos qui sont payées, reçues, planifiées, d'accord. Et après, en attente, il y a encore 1, 2, 3, 6... Voilà, 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 voilà. Donc, voilà. Comme ça, un peu de travail. Shadow, les deux, ok. Non, 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 on veut pas les spoils. trop tard. J'ai lu le truc. Le truc de vendredi, c'est un micro carrément où tu peux mettre ton micro dessus. Non, 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 non. Alors, le truc de mercredi, c'est deux produits. Un que tu mets en USB type C sur ton iMac, ta tablette ou ton téléphone, d'accord. Donc là, c'est le récepteur. Et là, tu as l'émetteur en mode micro-cravate. Toi, tu mets comme ça, dessus, là, et ça te fait un micro-cravate sans fil jusqu'à 150 mètres et tout, trop bien, avec une LED qui clignote pour confirmer que, tu vois, quand ils sont appairés, là, il n'est pas appairé, il clignote qu'une seule fois. Et quand, par exemple, si je le mets sur mon téléphone, rien. Là, rien. Là, il est en train de chercher. Ah, merde, j'ai mis à l'envers. Là, ça y est. Là, ils sont appairés les deux. Ils clignotent comme kit. Voilà. Et en fait, dans le récepteur, il y a de l'électronique qui permet de modifier la voix. Ça veut dire que en appuyant une fois sur le truc, ça met en mode large. Après, tu as le mode et c'est fixe, machin. Et il y a un mode, je crois que c'est le quatrième, qui met en mode voix grave un peu. Et après, tu as le cinquième, c'est voix ultra grave. Après, tu as le mode un peu comme ça, tu vois. Et c'est très drôle. C'est très drôle puisque t'as pas besoin de logiciel. C'est directement intégré dans le machin. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, pour faire des. Tu vois, et après, tu appuies là-dessus. Tu sais un peu le niveau de charge du boîtier, donc là on est bien. Et ça permet par exemple, et c'est certainement ce qui va revenir, ça permet de faire des canulars téléphoniques. Ça veut dire que tu branches ça directement ton micro-cravate, tu appuies dessus, ça change la voix. Donc tu vas appeler quelqu'un,
il entendra automatiquement la voix, puisque il n'y a pas de logiciel, c'est durement électronique de l'émetteur, c'est durement dans le récepteur qui modifie la voix. Donc ça peut être intéressant, voilà. Après, bon, j'ai cliqué plein de fois, il y a plein mal de modes qui sont très éco-spatiales, qui sont pas très ouf, et qui un peu bizarre. Le truc, il avait tendance, je parlais tellement vite qu'il avait tendance un peu à saturer. Mais voilà, pour 99€, ça reste un produit qui est soit sans fil, très très bien, soit USB type C, soit Lightning. Tu commandes celui que tu veux. Il y a le P1T qui est donc USB type C, et donc du coup le P1L, je crois, qui est Lightning. Voilà. Et ce produit qui est intéressant, voilà. Vous l'aurez, les tipeurs l'auront jeudi sur Tipeee, et puis ben, les autres, vous l'aurez vendredi dans la review. Le truc de... Oh, ça c'est bon. Bien vu le... Ah oui, Margot. Bon, on va faire un dessin. Freddy l'a compris, c'est le plus important. Il parle pas comme Kit. Non, malheureusement, non. Michael. Non, mais en plus, ça serait la voix française, la voix anglaise et tout, ça serait complètement rouleau. Ça me hype ce truc. Moyen que je l'achète. C'est pas mal. C'est très très intéressant parce que ça fait un très très bon micro sans fil, plug and play. Je sais plus combien il y a l'autonomie. Je crois qu'attends, combien il y a l'autonomie? J'ai marqué dans mon marque tapage. 5 heures. Ça, tu recharges pendant 1 heure et demie, tu as 5 heures d'autonomie. Tu recharges pendant 10 minutes, tu as 45 minutes. Pas mal avec filtration de son. Il n'y a pas de, mouflotte, mais bon, ça, j'en ai pas trop parlé dans la review parce que ça m'a pas paru trop grave. Mais le son est pas mal et avec les 9 effets de voix, voilà, c'est pas le truc qui va révolutionner ta vie, le changement de voix, mais le fait que ça soit dans le boîtier, que tu n'aies pas besoin de passer par un truc électronique, par une application, que ça soit directement intégré dans l'électronique, ça fait le petit truc en plus qui est rigolo. Voilà, à la fin de la vidéo, pour faire des canulars, encore une fois, voilà, ça pourrait faire des trucs directement. Ça peut faire, je suis ton. Oui, c'est ça, il y a une voix où c'est vraiment très très grave et tout. Non, mais il y a une voix qui change dans les graves, qui fait un peu plus grave que la mienne, mais très agréable, tu vois, où on ne me reconnaît pas du tout. Et là, je me dis, putain, pour les reviews en anglais, je pense que je me tenterais bien le coup pour faire les reviews en anglais comme ça, où la voix sera complètement différente. Et avec mon accent de merde, comme ça, on ne saura pas que c'est moi. Voilà. T'as loupé ma question sur le prix. Combien pour le chat dans la vitrine, ce micro? 99€ sur Amazon. Et si tu... Alors, j'aurais pas de code promo, mais apparemment, sur la page Amazon, il y a un petit coupon à 5% à cliquer. Alors, je sais pas les conditions, parce que des fois, ils donnent 5%, mais fouette, prime, machin et tout. Mais 99€ TTC sur Amazon France. Et apparemment, il y aura un coupon de 5€. Voilà. Enfin, il y aura 5% de remise en cliquant sur la page Amazon. Voilà. C'est pas moi, c'est inclus dedans. La bonne blague. Ouais, on fait les bonnes blagues. Oui, bon, après... Non, mais il y a des trucs sympas. Il y a un truc, apparemment, c'est pour modifier les voix de femmes en hommes. Voilà. Alors après, je l'ai lu après. Je me suis dit, oh, c'est vraiment très grave. Et apparemment, même si t'as une voix... Alors moi, j'ai une voix assez grave. Donc c'est encore plus où ça fait un peu... ça fait très, très... Mais apparemment, même si t'as une voix... Alors, le problème, j'ai essayé de prendre une voix aiguë, mais ça fait complètement... Si je fais comme ça, c'est pas du tout féminin, tu vois. C'est Chan. Oh bah non, on ne touche pas la faune, tu vois. Et... Non, elle dit pas ça, mais bon, t'auras compris. Et... Attends, je vois ce que tu veux en venir. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Mais voilà, en théorie, même si c'est une voix de femme qui est pas si aiguë, comme c'est beaucoup plus grave, ça fait une voix un peu masculine. Voilà, c'était pour la blague. Et, voilà, je pense que la review devrait vous plaindre, plaire. Ah ben, je dis jeudi sur Tipeee et demain jeudi sur Tipeee et vendredi sur GLG Review, par exemple. Donc, si vous êtes déjà tipeur, vous recevrez un mail demain qui vous dira que la vidéo est disponible en non répertorié pour vous. Et les autres, vous devrez attendre vendredi. C'est pas la fin du monde. Je veux dire, vous êtes 13 là. Voilà. Sinon, avec de l'hélium, tu te fais passer pour Mickey. Oui, mais il paraît que avaler de l'hélium, c'est pas trop bon et l'effet est assez réduit. Il y a un effet qui est sympa. J'ai vu avec les mecs qui ont de la cigarette électronique. Ils prennent la cigarette électronique et c'est vrai qu'après, quand ils recrachent, et bien pendant un moment, le son il part en spoon. Donc tu vois, quitte à peut-être moins Shark Chan. Ça y est, on a perdu GLG. Shark Chan. Oui. Dans la vidéo, ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé, si je te dis. Il n'en faut pas beaucoup pour me faire le chubé. J'arrive, lol.
Hello, French Guy. Salut, salut mec. Mais écoute, t'arrives juste pour la fin, il est 23h05. J'étais en train de me dire, bon, action fait, on arrête pas, on reste 5 ou 10 minutes de plus. On a quand même bien rigolé. Les conneries sont dites, hein. On a fait notre quota. C'est bon. Tout est bon. Normalement, on est bon pour la fin. Trop tard, un petit peu. La fille de Jackie Chan. Jack Chan. La fille de Jackie Chan. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Quelle idée d'appeler sa fille Shark. C'est comme l'appeler Richer. Hein, elle s'appelle Richer et la fille elle s'appelle Roscoe. Roscoe, pas Roscoe Siffredi. C'était pas elle. C'était pas son nom de famille du tout. Désolé, je fais ce que je peux. Genre, non, la réponse est désolé, il y en a qui bossent. Normalement, c'est ça. Hein, c'est désolé, il y en a qui ont un travail. Hein. le quota de conneries est toujours respecté sans aucune difficulté. Ah ben, on est bien. On est bien. On a jamais de malus, nous. Hein. On est toujours dans les chiffres. C'est bien. Et heureusement, je sais que après, on a toujours une équipe formidable. Qui est là toujours pour éventuellement me relancer et me donner de la punchline, bien évidemment. Roscoe P. Coltrane. J'ai pas suivi. Tout est bon. Non, rien à voir. Michael, t'inquiète, il y a le replay. Oui, c'est ça. Bah là, t'es bon pour le replay. Un, il y a le replay sur Twitch et cette vidéo sera mise sur GLG Vidéo mardi. Comme le mardi, il n'y a plus JT du Geek. Ça permet d'avoir une vidéo. Et la vidéo qu'on a fait dimanche pour les cadeaux sera en ligne dimanche. Voilà. Normalement, tout est bon. Il y a juste la batterie externe où faut que j'attende un peu pour les envoyer à Ouin pour les deux gagnants, mais normalement le bon d'achat c'est bon et les lunettes ils m'ont envoyé le tracking, donc je l'ai envoyé le tracking aussi, donc normalement tout il est bon. Voilà. Chéri fais-moi peur. Roscoe Pelton, t'as pas la. Non, j'ai pas été trop fan de Chéri fais-moi peur, moi. J'ai pas trop. C'est pas trop mon délire. J'étais trop jeune, les voitures, tout ça, les cascades. Non, moi j'étais. J'avais pas le niveau déjà. Moi j'étais premier baiser et voilà quoi. Les filles d'à côté, tu vois ce que je veux dire. Dragon Ball Z, Ken le survivant et tout. Mais non, Chéri, fais-moi peur. Ça n'a pas été autant Kid qu'à 2000, ça allait, mais non, c'était pas ma cape. Tonnerre mécanique aussi, tu sais, avec la moto en accéléré là. Mais non, Chéri, fais-moi peur, non. Même si c'est vrai que la blonde, encore une fois, c'est peut-être de là que mon fantasme sur les blondes est parti, hein, je pense. Ça a dû commencer par là. La honte. Du coup, mardi, un JT du Geek et un live par semaine. C'est ça, c'est ça. Je pense que... Alors, normalement, c'est même pas gagné que... Je sais pas si on fera le quota. Alors, encore une fois, ceux qui ont déjà fait des types, interdiction d'en remettre, d'accord? Mais pour l'instant, on n'a pas encore passé le palier d'un JT. Et je vous cache pas que moi, si on n'a pas le quota ce mois-ci, qu'on me dit d'arrêter, c'est pas grave. J'ai du temps à perdre, à faire autre chose, voilà. Donc, si on fait le quota, on aura un JT du Geek par semaine. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc, après, je mets la pression à personne. Au contraire, si vous... Les anciens, non, ça compte pas. J'annulerai les trucs. Mais les nouveaux, voilà, s'ils veulent pas le faire, c'est pas grave. On fera autre chose. Si même un par semaine, c'est trop, voilà. Et on gardera un live tous les mercredis, ça on garde. Et le dernier dimanche du mois, ou tous les 100 followers, voilà. À savoir qu'aujourd'hui, on en a gagné autant qu'on en a perdu, puisqu'on est toujours à 311 followers. Donc, soit j'ai un bug dans la matrice, soit on est toujours à 311. Donc, nous ne gagnons rien. Mardi, un JT du Geek. Alors, mardi, le JT du Geek, le replay. Le mardi, le replay du live du mercredi. Et le mercredi, en fait, le mercredi, on fait le live et l'enregistrement est replay le mardi. Voilà, comme ça, on est bien. Mars. Moi aussi, j'ai vu ça aussi. Roscoe, c'était le flic avec son chien. D'accord. Si je peux me permettre un commentaire sur la review, un sous-titrage forcé lorsque tu filmes. Hein ? Si je peux me permettre un commentaire sur la review, d'accord, laquelle ? Un sous-titrage forcé lorsque tu filmes. Pas compris. J'ai pas compris. Tu m'expliqueras ça bientôt. Oui, ça lol. Flash, c'est le chien. D'accord. Un basset oum, d'accord. Ok. Les lives restent. Oui, les lives restent tous les mercredis. Dans les lives, tous les mercredis, il n'y a pas de souci. Et un dimanche par mois, un cadeau. Enfin, le dernier dimanche du mois, le live des cadeaux ou tous les 100 followers. Si on fait 100 followers avant, eh ben, on fait un live. Sinon, on attendra le dernier dimanche du mois. Voilà. On est 311. Oui, c'est ça. Ben, comme avant.
Vous êtes arrivés. Nous sommes. C'est pas. Nous sommes partis 300. On arrive même 3000 quand on arrive au port. On est parti 311. On a eu plein de nouveaux followers et on est toujours à 311. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Non, mais comme quoi, ça doit. On doit rester entre nous. Et ouais, ça tient à nous répondre. Ok, 311. La review du Black Shark en anglais. Ah, non, pour l'instant, je suis minimum syndical. C'est-à-dire que pour moi, c'est double de boulot. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse et la voix en anglais, parce que je ne vais pas payer encore une meuf, parce que en plus, ça ne plaît pas vraiment, et que c'est vrai que ça va plus vite que moi de faire la voix. Mais je fais le truc, et c'est moi qui fais le montage. Donc, je ne fais pas ça en mode turbo, mais voilà. Les mecs, je veux dire, ils entendent la qualité de ma voix, et ils voient la qualité vidéo, donc ils ne comprennent pas. On se fait revoir, hein. Putain d'anglais, putain de rugby. Puis ils ont tellement cassé les couilles, là, je parle français, je parle anglais, voilà. Donc là, après, pour les vidéos et tout. Donc là, pour l'instant, je fais vraiment le minimum syndical. Ça veut dire que par rapport à la review française, qui est très chiadée, très montée, avec beaucoup de compléments et tout, la vidéo en anglais, c'est juste simple, le plus simple possible pour faire de la vidéo, pour essayer que la chaîne se prenne un petit peu de l'essor, des abonnés, des vues, des followers, et gageons qu'après, oui, après, je pourrais passer plus de temps. Je crois que sur la vidéo d'avant, hein, j'avais fait une vidéo en français et une vidéo en anglais pour avoir un rush et tout, mais là j'ai oublié, j'étais sur mon lac là-bas, truc, voilà, lac miraculeux, fontaine magique, je me suis dit ça y est, fontaine de jouvence et tout, j'ai bu de l'eau, j'étais malade et tout, alors bon, c'est mal passé. Mais voilà, pour l'instant, on n'en est pas là, mais après, certainement, il y aura aussi les vidéos en anglais et tout. L'intérêt, c'est qu'on part avec une chaîne qui est neuve où il n'y a que 200 et quelques abonnés, je crois, 200, 220 ou 230. Donc c'est vraiment tout neuf, tout neuf. Donc on fait le minimum syndical pour lancer un peu la chaîne, avoir des produits un peu exclusifs. Et puis une fois que la chaîne aura pris, je ferai monter un peu le niveau. Voilà. La chaîne j'ai les reviews in English. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais regarder que en anglais. Je suis abonné. 233. Oui, bah voilà, 233, c'est pas ouf. Encore une fois, il faut le temps un peu que ça prenne. Peut-être on aura avec le Nubia. La semaine prochaine, je fais le Nubia en anglais aussi, hein, le Red Magic, puisque ça, c'est bankable. Les téléphones, c'est, ça fait partie des reviews. Je crois que le F-150 a super bien marché sur la chaîne, alors que, toi, enfin, c'est F-150. Mais la balance Huawei a fait 25 000, hein, pour vous dire, truc qui est incompréhensible, la balance Huawei en anglais a fait 25 000 vues. Voilà, il y a des produits comme ça, où Google, YouTube t'aime et Google t'aime, et qui font de la vue, et voilà, après, laisser le temps un peu, prendre l'abonné, et puis voilà, tout doucement. Après, j'ai pas le temps, j'ai plein de boulot quand même. Hein. Pas pendant les séquences où il filme, le reste, oui. D'accord, c'est ça. Ouais, après, on l'a bien compris. Mais c'est pour ça, après. Là, les séquences où je filme, où je parle en français, oui, je pourrais. C'est ça, ça prend 30 secondes à faire de la faire aussi en anglais. C'est juste là, ce coup-là, j'avais oublié. Voilà, pardon. Pardon. Et après, je crois qu'en plus, YouTube, comme la vidéo est en anglais, YouTube propose les sous-titres anglais automatiques. Pour ceux. Pour les malentendants. Mais pour ceux qui auraient du mal avec mon accent, il y a un peu des sous-titres. En tout cas, c'est top, bravo. Ben écoute, c'est le début. Voilà, c'est le début, c'est un nouveau. Aujourd'hui, c'est le genre de truc où il est plus facile pour moi de m'investir à faire les vidéos aussi en anglais, puisqu'il y a un business model qui est facilement mettant en place. C'est-à-dire que les vidéos prennent entre 1000 et 25 000 vues. Non, 25 000, c'était un miracle. Mais je crois que la même vidéo du F-150, elle a fait combien, 3-4 000 vues. Enfin, elle a fait un nombre de vues qui était insolent par rapport au téléphone qui était pas ouf, mais voilà. Donc les produits, on les a, et puis souvent beaucoup de produits chinois qu'on est les premiers à avoir et tout, notamment dans les versions globales et tout. Et faire les vidéos en anglais, et après c'est plus facile pour moi d'aller voir les marques en disant hey, on fait aussi des vidéos en anglais, essayer de gratter un petit billet, on fait aussi des vidéos en anglais, on a une petite audience et tout, voilà. Et puis les meufs, même si c'est pas elle qui me dit moi je m'occupe de la France, elle m'enverra vers sa copine qui gère le truc anglais et tout, et le fait d'être dans le créneau, de savoir comment on bosse et tout, ça peut vite amener du business beaucoup plus facilement que par exemple, que le JT du Geek, où on a réussi à faire quelques placements de produits, mais le business model est complètement pas bon. Voilà. Donc c'est pour ça que si on fait pas le JT du Geek au mois de mars, bah c'est pas grave. Je veux dire, bah les Tipeee, vous aurez encore les vidéos en avant-première. On continuera les lives le mercredi, le dernier dimanche du mois pour les cadeaux ou tous les 100 followers. Et pour moi, ça me laissera plus de temps pour faire autre chose, et notamment peut-être plus m'orienter sur l'anglais. Ou peut-être vous refaire un petit live Twitch comme ça de temps en temps. Moi j'aime bien, c'est facile comme ça en mode FAQ. Et on a quand même bien rigolé.
Surtout vu l'accent. Surtout que je me force pas, ouais. Et je peux dire que je le fais exprès, mais je me force pas. Et puis maintenant, je le fais, vous l'avez vu peut-être dans la vidéo par rapport au Black Shark, je le fais cool. C'est-à-dire que même si je bafouille, bah, je reprends, mais je coupe pas. Tu vois, voilà. Je mets tout de comme ça vient. bon gré, mal gré. Oui, c'est des sous-titres en anglais automatique, c'est ça. Je vais voir la review en anglais. Tiens. Mais bon, je suis venu en anglais. Ah bah, mon niveau est pas. Enfin, je suis pas un bon niveau, mais je suis pas un mauvais niveau aussi, quoi. J'arrive à baragouiner, à faire comprendre et à comprendre une conversation, même avec des anglais et des anglophones. Donc voilà, après la vidéo, ça reste beaucoup de termes techniques et tout, donc on fait ce qu'on peut. Le purificateur est top aussi. Bon, le purificateur était un peu cher, après, encore une fois, mais c'est un très très bon produit. Je sais que beaucoup m'ont demandé, parce que les liens, nanana, hein, le lien marche pas, vous n'avez pas cliqué sur mon produit et tout. Mais je pense qu'ils en ont vendu un petit peu. Peut-être pas autant que. Je sais pas. En fait, j'ai pas eu de retour. Enfin, je m'en fous. Comme je vous dis, après, moi, je me suis payé. Donc après, qu'ils en vendent ou qu'ils en vendent pas, bah, autant que je préfère qu'ils en vendent, parce que t'as qu'à faire. Comme ça, ils reviennent. Mais la plupart, même ceux qui me disent qu'ils en vendent pas, ils reviennent quand même. C'est bien que bon, on peut pas vendre de tout le temps. Je veux dire, la IVC, il revient tous les mois. Bon, d'un moment, je sais pas qui va continuer à acheter ce machin. En plus, là c'est cher. Mais qui revient à chaque fois, je veux dire, bah, moi, je prends son argent. Mais voilà. Donc là, le clim, j'espère qu'ils en ont vendu. Mais moi, j'ai pas d'intéressement aux ventes, quoi. Donc, bah voilà. C'est plus, je trouve que c'est plus honnête aussi au même temps vers vous que bah, on n'est pas là pour dire que du bien du produit. On parle un peu du produit, comme je dis, moi je suis rémunéré par mon travail, mais je suis pas rémunéré pour dire le produit il est génial ou quoi. Et comme ça, on est pas mal. Cela donne comme personne au microphone. Cela donne comme personne. Bon, ok, t'es arrivé. Hello. C'est ma pause, VC, j'y retourne, d'accord. Ok, bah écoute, bon courage, et puis bah à bientôt pour le replay. IVC, je l'aurais pris, mais sans la protection, ouais, regarde, c'est moi. Bah ouais, écoute, après, ils continuent un peu, hein. Ils sont vraiment à Singapour, parce que là, j'aurais demandé pour faire une facture et tout. Parce que maintenant, il faut faire des factures, et tout, c'est chiant. Mais j'aurais demandé, ils sont vraiment à Singapour et tout. Mais voilà, après, bon, tous les mois, il en veut une. Faut que je trouve des sujets, faut que je trouve des topics et tout. J'espère que c'est de l'argent facile, mais la vidéo, elle n'est pas très compliquée. Hein. Vous avez vu, c'est que du. En plus, celle-là a été bâclée. En plus, autant les autres, celle-là, c'était vraiment du screenshot, machin, blablabla. J'ai fait mes plans, j'ai parlé du truc et tout. Il m'a dit, ouais, elle est très bien. Tu parles, le mec, il parle anglais, il parle pas un mot de français. Et il me dit, elle est très bien et tout. J'ai mis en ligne. Il m'envoie la vidéo, disons, un partenariat en anglais. C'est pareil, il se fait pas chier non plus. Donc, il prend son billet tous les mois. C'est très bien. Sans ce protocole, mon débit est trop bridé. Je passe de 1 giga à 90. Ok. Ah oui, bah, peut-être, oui, en effet. Bon, ben les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. Il est déjà 23h17, donc moi, il faut que je redescende un petit peu. Je vais aller s'il y a une vidéo de Didi, là, sur les voitures. J'aime bien aller ça le soir. Je vais voir, il y en a une ou pas. C'est mon pote, LGOC, le Grand S. Il a fait une vidéo sur le Realme 9 Pro Plus. Pas mal. Ça, c'est bon. Instagram, ok, tout va bien. Bon, bah écoutez, les enfants, ça sera tout pour ce soir. J'espère que vous aurez passé un bon moment à mon compagnie. Moi, j'adore. J'aime beaucoup ce rendez-vous du mercredi. Je prends toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires, à raconter un peu soit ma vie, soit à lire vos bêtises, à faire quelques punchlines, à passer quelques références et tout. Et puis voilà, ça fait un petit rendez-vous qui est sympa. Et encore une fois, même si on fait pas le palier Tipeee ce mois-ci, c'est pas grave, le mois prochain, Twitch, ça reste, puisque pour l'instant, il n'y a pas énormément de rendez-vous. Et ça permet de passer un petit moment sympa. Monsieur GTech, d'accord, connais pas non plus. Moi, je vais plutôt regarder Grand S. Moi, j'aime bien Nico. On s'est rencontré, on s'est connu au lancement de la marque Honor en Allemagne, bien sûr. Voilà, des fois on s'est écrit, je crois. Il avait reçu les enceintes Xiaomi et lui, il a marqué que c'était Bluetooth, c'est pas Bluetooth. Voilà, donc très très voilà. Puis c'est un vieux comme moi. Non, encore plus vieux, lui. Bon, voilà, c'est cool, ce bon moment du rendez-vous. Mais écoutez, je suis content que ça vous fasse plaisir. Et ben voilà, moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Alors, vendredi pour le JT du Geek, peut-être le dernier JT du Geek. Ah, on fait une fête, hein. Non, mais on saura que lundi, c'est là. Peut-être le dernier JT du Geek. Et puis après, sinon, on se retrouve mercredi prochain, bien évidemment, et peut-être un dimanche, on arrive à atteindre les 100 followers, mais on y va doucement, mais on est en mode un peu confidentiel entre nous, et ça fait plaisir. Allez, bonne journée à tous, bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe, je donne rendez-vous vendredi, et sinon, bah, mercredi prochain. Bye bye. Thank you.
Mmh.